Tu ne peux pas choisir une femme seulement à cause de son caractère. La femme doit aussi extérieurement être un plaisir pour toi. L'homme aussi extérieurement doit être un plaisir pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que le mariage n'est pas seulement un cadre de bâtissement, mais vous devez aussi avoir du plaisir ensemble à vous regarder et à vivre ensemble. Et lorsqu'on parle du plaisir, on parle donc particulièrement aussi de la sexualité. Si tu n'es pas capable d'aimer ce que tu vois, ne prends pas. Ne dis pas que je vais apprendre à aimer le corps là. Écoute, le mariage vous rapproche. Plus les gens vivent ensemble, plus l'habitude d'être ensemble se crée. Donc le fait d'être ensemble ne va pas t'aider à aimer ce corps-là. Au contraire, tu risques de tellement t'habituer qu'il faut donc que dès le départ, tu aies déjà aimé ce corps-là. La femme que tu ne trouves pas jolie, ne l'épouse pas parce que le pasteur trouve la femme jolie. Ce n'est pas la femme du pasteur, c'est ta femme.